Hello tout le monde, c'est Elnora 22, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de A Plague Tale Requiem, un jeu édité par Focus Entertainment et développé par Asobo Studio. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe, let's go! Ils savent pas naviguer en bateau. Hein? Maman et Lucas. T'en fais pas, Hugo. Je connais peu de gens aussi intelligents. Ça saigne encore? Oui, je crois qu'on ferait mieux de soigner ça avant que ça s'infecte. Il y a de l'eau là-bas. Oui. C'est ton île? Oui. On dirait des dents. C'est l'île aux deux dents. Tu sais, je crois que je l'ai vue. En peinture, au laboratoire de Vaudin. Alors elle existe vraiment? Je vais t'aider. Doucement, hein, d'accord? Oui. C'est bon. Déjà? Parfait. Merci. Tu es douée, tu sais. J'ai essayé de pas te faire mal. Et tu as réussi. Bon, venez, messieurs. Nous allons trouver votre île. Oui. Eh ben, c'est parfait. Donc, dans ce sixième chapitre, comme d'habitude, on va essayer de trouver... je sais pas s'il y aura une fleur, parce qu'il nous reste encore une fleur à collecter. Et encore 10 chapitres. Donc je ne sais pas si on va pouvoir boucler le succès en lien avec la fleur aujourd'hui. Et puis toujours les deux souvenirs. Et pourquoi pas un petit coffre secret. Alors on y va. On essaie de revenir quand même en arrière pour voir si on n'a rien loupé. Mais je ne crois pas. On fait demi-tour? Non. On risque de retomber sur ces mercenaires. Bon. Fais pas demi-tour alors. On s'en va. Comment on va sur une île? En bateau. Une fois qu'on sait où elle est. Maman va être fâchée, tu crois? Elle ne va pas être contente, mais ne t'inquiète pas. Et tu crois que ces bandits, ils vont les suivre? Non, ils sont en sécurité. Mais ils ont pas d'armes. Ils vont fuir ou se cacher, Hugo. Regarde ces belles fleurs. Oui. Allons, tu adores les fleurs. Ouais, j'espère qu'il ne faut pas trouver une fleur là-dedans, parce que la vache... Mais, et si leur bateau coule? Hugo... Est-ce qu'ils savent nager? Tout ira bien. Promis? Oui. Attends, tu vois cet arbre? Je suis sûre que je peux l'atteindre avant toi. Maintenant? Pourquoi? Parce que tu es une poule mouillée. Même pas vrai. Toi-même. Montre-moi ça, alors. 3, 2, 1... Hé hey. Toi, t'es qu'un poulet. Oh. Oh non. Ça saigne encore. J'ai gagné. Ça va passer. Oh.
fait mal? Non. Oh, regarde. Ça, c'est vraiment une belle plume. Elle est toute douce et toute bleue. Elle a dû tomber du nid qui est dans cet arbre, là-haut, tu vois? Oh, oui. On cherchera d'autres nids et je suis sûre qu'on trouvera d'autres plumes. Oui. D'ici là, je ferai de toi un oiseau. Un chevalier oiseau. Tiens, ça me rappelle. Bon. J'ai trouvé de jolies fleurs quand j'étais avec Lucas. Tu les veux? Je crois que je préfère les plumes maintenant. Ah, d'accord. C'était une belle course. Bon, du coup... Ça te fait encore mal? Non. Ce qui fait mal, c'est... Eh ben, du coup, on a obtenu notre première plume. C'est magnifique. Je parlais de fleurs, mais... on a obtenu notre première plume. Donc, c'est pas mal. On est à 5 sur 12 collectibles par rapport à Hugo. Et 8 souvenirs sur 11. Je suis un poulet, maintenant. Mais un gentil poulet. Trop aimable. La prochaine fois, je te laisse gagner. Oh, non. La prochaine fois, je t'écraserai. Bah heureusement qu'il n'y avait pas une fleur à trouver là-dedans, parce que là, bonne chance. Hein. Oh, tu entends ça? C'est quoi? Des chants. On dirait une messe. Il y a une église ici. On va voir. Qu'est-ce que c'est? Un marché! Non, on est trop loin d'une ville. Mais les chants viennent de là. Ils savent peut-être où est l'île. Oui. On va demander. Alors... est-ce qu'on peut descendre par là? Bonjour. Est-ce qu'on peut vous aider? Bonjour. Oui, nous cherchons notre chemin. Pourquoi ils chantent, les gens? Oh, c'est l'heure de la messe. Nous sommes en pèlerinage, alors nous prions pour arriver à bon port. Oh, vous vous rendez à Rome? Exactement. Et vous? Où allez-vous? Sur une île. On ne sait pas grand-chose à son sujet. Oh, notre meneur Perreux connaît bien la région. Il vous aidera. Vous le trouverez près des ruines. C'est lui qui dirige la messe. Mais vous devriez vous reposer à l'ombre. Vous avez l'air blessé. Oui. Merci. Merci. Je vous en prie. Pourquoi est-ce qu'ils vont à Rome? Parce que l'année prochaine, c'est le jubilé. C'est une année très spéciale. Allons trouver ce Perreux. Alors, on va essayer de se frayer un chemin. Attention les enfants, doucement. Là, ça a l'air d'être une boucle. Ça sent le ragoût. Toi, tu as du nez. J'ai faim maintenant. C'est surprenant. Allez, viens. On peut leur parler ou pas encore? J'ai jamais autant marché. On va voir le pape à Rome? Peut-être. Si on a de la chance, il y aura des milliers et des milliers de pèlerins. Ah, il y a un chemin par là. Bonjour. Salut. Regardez si on trouve quelque chose par là. Celle qui était chez nous était toute cassée. Vas-y, je vais te pousser. Vraiment? Tu préfères pas y aller? Non, je te pousse. Tu es fatiguée. C'est parti. Bon bah ok, hein. Ne te fais pas mal, hein. Ça va. Ferme les yeux et imagine que tu voles. Balançoire de notre nouvelle maison. On en trouvera une avec plein d'arbres autour. Oh,
J'ai volé assez longtemps, je crois. On repart ? Oui. Eh ben, merci. C'était apaisant. Vivement qu'on ait la nôtre. D'abord l'île, ensuite la maison. Bon, bah du coup on a débloqué un nouveau souvenir. Je le sens bien, mais j'ai l'impression que ce chapitre va être assez court, puisqu'on a débloqué la plume et le souvenir en très peu de temps. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait un deuxième souvenir dans le coin. Bonjour. Oh, bonjour. Bonjour. Voilà la messe. Est-ce que c'est Perreux dans le fond ? Chut. Oui. Tu pourras le voir quand ce sera fini. Oh, pardon. Nous attendrons ici. Merci. Plus près de toi, Seigneur, protège ces humbles pèlerins durant leur saint voyage. Car il cherche le salut au milieu des ténèbres et reçoit les prières des plus faibles. Amen. 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 Vous pouvez y aller. Merci. Amen. Pardon ? Amen ne veut pas dire merci, tu sais. Ah. Allons lui parler. Il n'y a rien en tout cas à collecter. Bonjour. Ah, bonjour. Et bienvenue. Vous êtes nouveau ici ? Oui. Et à vrai dire, nous sommes un peu perdus. Et où allez-vous ? Pas à Rome, je présume. Non, on essaie de trouver une île. Elle a deux dents et il y a un oiseau et un petit lac. Et des fleurs. C'est probablement une île avec deux grandes montagnes. On nous a dit que vous pourriez nous aider à la trouver. Je n'ai qu'un vague souvenir, mais j'ai une vieille carte de la mer Méditerranée quelque part. Vous voulez jeter un œil ? Oui, merci. Ce serait parfait. Bonne gens. Qu'est-ce qui se passe ? Nous cherchons un garçon et une fille. La fille a tué plusieurs soldats. Elle est armée et dangereuse. Sur ordre du comte Victor d'Arles, nous allons fouiller ce camp. Je vois la culpabilité Allez. Dans tes yeux. Mais, quoi que tu aies fait, je ne livrerai pas un enfant. Suivez-moi. Il faut vous faire sortir du camp. Suivez-moi. Essayez de passer inaperçu. Ah. Qu'est-ce qui se passe ? Faites place ! Sortez de vos tentes ! Ils cherchent quelqu'un. Coopérez, et vous aurez rien à craindre. Pitié, ne nous faites pas de mal. Nous n'avons rien fait. Nous sommes de bons chrétiens. De nouveau venus derrière. Est-ce que si je prends un peu de temps pour crafter ? Des gens arrivent tous les jours ici, vous savez. Ils vont tout raconter. Non, mais... j'espère que vous vous rachèterez. J'essaierai. Nous sommes tous jugés un jour. Doucement, il y en a d'autres. Deux enfants, une fille et un petit garçon. Je ne sais pas. On est tellement nombreux. Alors réfléchis. Hé ! Faites attention ! Reculez ! Cachez-vous sous la charrette avant d'être vu. Je m'occupe d'eux. Allez, Amicia, je sais... Chut. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Avez-vous parlé à ce groupe là-bas ? Certains nous ont rejoints récemment. Ils ne ressemblent pas vraiment à vos fugitifs, mais... qui sait ? C'est mieux que rien. Allons voir ça. Vous avez entendu ? Soyez sur vos gardes et ouvrez l'œil. Bonne idée. On peut y aller, Amicia ? Pas encore. Attends son signal. Hé, hey, vous ! Moi ? Depuis quand faites-vous partie de cette procession ? La voie est libre. Venez, calmement. Allons-y. Vous trouverez un chemin vers la mer de l'autre côté de l'enclos. Nous vous devons beaucoup. Merci. Soyez prudents. Mmh. Allez, il faut qu'on se dépêche de partir. J'espère qu'ils n'auront pas de problème. Tant qu'ils ne nous trouvent pas, personne n'aura de problème. Partons loin d'ici. Ah, juste voir s'il y a des trucs à crafter. Oh non ! Vite !
Bon, ok. Rien à crafter. On se casse. Là, il y a un établi. Où ils sont? Je sais pas. Tiens bien ma main. Tu as vraiment tué des soldats? Oui, je... J'ai perdu la tête. Ok. Tu me l'avais pas dit. J'avais trop honte. Allez, reste concentré. Attends, moi je viens de où? Je viens de là, je crois. Je vais juste regarder s'il y a des choses par là. Ah, il y a un coffre. Maintenant, on sait où est la mère. Je m'en fiche. Je veux juste que tu ailles bien. Oui. Je vais faire en sorte. Allez, go. Faudrait que je quitte carrément le pays, en fait. On peut aller. Et là, on peut aller. Attends, si on se baisse. Ah non, on peut aller partout en fait. Oh. On va regarder là. Amicia, ta tête. Je sais. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Ne t'inquiète pas pour moi. Amicia, attends. Il y a des gens. Je n'entends rien. Comment tu le sais? Je les sens. Je pense que c'est les rats. Je peux essayer de me concentrer. T'es sûre de toi? Oui, ne t'en fais pas. D'accord. Sois prudent. Alors, maintenez la croix en bas pour une connexion entre Hugo et les rats. D'accord, mais moi ma question est... Oui. Je les vois. Ils sont là. Des soldats. Attends, comment? Les rats. Ils sentent le sang des gens. Moi aussi maintenant. C'est comme un bruit. Ou un écho. Alors ils sont où? Pas loin. Ils approchent. Je peux le refaire si tu veux. D'accord. Allons-y, prudemment. Ouvrez-la, soldats. Ils sont piégés ici. Ils ne peuvent plus fuir. Où sont les mineurs? Cette mine n'est pas abandonnée, si? Oh, commence pas avec des fichues superstitions. C'est le capitaine que tu devrais craindre. Cette gamine la plus énervée que 1000 Anglais réunis.
Ah, il y en a là. De passer par-dessus la barrière. Une porte là-haut. J'espère qu'il n'y avait rien à crafter ni quoi que ce soit. Hein. Ça reste pas longtemps, malheureusement. Un couteau là. Ils sont partis par là. Slicker, venez par ici. Oh merdasse. J'aimerais bien pouvoir passer en fait, mais... Là, une trappe. Oui, c'est notre sortie. Bon, tente, hein. Parce qu'on se crête derrière eux, hein. Oh, super. Ils abandonnent jamais. Oh, ce sont des bouchers. Tu en as tué beaucoup dans la ville rouge. Plus que j'aurais dû.
En plus, ils ont tous des casques. Je peux même pas les achever. Le pouvoir du gamin, il est quand même super limité. Alors attends, lui, est-ce qu'il va me voir? Est-ce que je tente par là? Est-ce que je tente par là? Bon, lui, il va me voir, lui, il va me voir, lui, il va me voir. Le problème, c'est que si je bouge... Ah non! Je tente par l'auteur... On va y arriver. Oui, et tu te reposeras. N'oubliez pas, le comte d'Arles veut débarrasser ses terres de la vermine. Cette fille a tué nos frères. Elle sera exécutée ici. Et il est où notre manouvre? C'est elle qui sera ravagée par Adresse. C'est lui qui donne les ordres. Un peu de respect. Donc j'ai un pot. Parce que si je me mets là, on me voit. Presque, Amicia. Oui. Il est presque rien du tout, s'il te plaît. On est en train de se faire gauler. On va te dire à moi que je mette le feu à tout le monde. Est-ce que si je lui balance... Les cailloux dans la tête. Plus tard. C'est dégagé. Fais attention. Tu es très fatigué. Ne t'en fais pas. Attends, il faut que j'arrive à monter. Pour monter. Ah, j'ai là. J'ai serré. Ah non, je reviens en arrière. Non, non, je reviens en arrière. Oh, qui me voit. Attends. Attends qu'il fasse demi-tour. Oula, non, je tente pas. Hein? Pardon.
le tente pas. J'espère qu'il ne va pas passer à côté de nous. Bon, j'imagine que derrière le gros caillou, il ne nous voit pas quand même. Ah, oh, lui, un arbalétier avec sa satanée arbalète et un casque. C'était quoi ? Non, je peux rien prendre. Je peux rien prendre. J'ai vu quelque chose. Ah mince, je me suis rendue de l'autre côté alors que... J'aurais pu monter simplement. C'est-à-dire que lui, il vérifie même dessous, la vache. J'espère qu'il va pas vérifier là-dessous, là.
l'intérieur. Ok. Ce fut laborieux, ce fut fastidieux, ce fut compliqué. La vache. Alors, là, il y a quelque chose pour ouvrir. Je vais voir, il y a une petite porte là-bas. Ok. Non. Ça fait si mal. Je sais pas si je vais y arriver. Non. On partira d'ici. Je te protégerai. On ira sur l'île ensemble. Oui. Il faut qu'on sorte d'ici. Alors, là, il y a quelque chose. Je fais tout ce que je peux. Tu sais. Ah. Un passage là. On sera bientôt à la mer. Oui, bientôt. Ah, et là nous obtenons donc un coffre secret. Donc pareil, hein, je vous préconise de n'absolument pas crafter. Enfin, ouais. On le fera dans un chapitre ultérieur. On ramasse juste tout ce qu'on peut ramasser. Ah, bah juste regarder combien on a d'outils. Ouais, on a 209. Je pense qu'on est large. L'arbalète, il faut 17. Alors, il faut 1 plus 40. 95. Ouais. Je pense qu'on sera bon. Ok. On va pouvoir améliorer les 5 un peu plus tard. Alors, on a là. Est-ce qu'on peut ouvrir là? Non. On aura tenté. Alors, on va revenir en arrière. On va se baisser parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Oh, ça sent trop mauvais. Des cadavres. Oh la vache. Oh la vache. Oh, non. Non, ne meurs pas. Je suis si fatiguée. Non, tu ne peux pas dormir ici. Allez. Réveille-toi! Quoi? Non, non! Ils arrivent! Amicia! Vite! Amicia! Réveille-toi! Ils sont là, Amicia! Tu dois te réveiller! C'est quoi ce boucan? Avec moi! Oh non! Des soldats! Non, non! Amicia! Debout! Des rats! Ils sont là aussi! Non! Ils vont nous voir! Je fais quoi? Ah, Amicia! Ah! Oula! On peut pas aller par là. Donc on peut pas aller par là. On va aller par là alors. On a fait déplacer des rats. Que s'est-il passé? Des rats. J'entends des rats. Ne t'inquiète pas, ils nous ont aidés. Quoi? Hey, des rats! Je vois ça! Des rats! Oui? Il s'est passé quoi ici? Ils sont en train de dévorer nos hommes! Attention! Des soldats! Non, je peux pas. Repose-toi, je m'en occupe. Comment? Et alors?
Appuyez sur RT. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir. Je me concentre. Bah. Qu'est-ce que je fais? Viser nord de rat. Ah. Pardon alors. J'avais pas compris ça comme ça. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Mangez! Voilà. C'est fait. C'était quoi ça? T'as vraiment... Oui. Tu peux te lever? J'ai pas le choix. Ah bah là! Doucement. Allez. On s'en va. Tu les as vraiment contrôlés? Oui. Ils me laissent les utiliser. D'accord. Partons d'ici, maintenant. C'est plutôt cool, hein? Attendez. Juste d'abord, voir ce qu'on a dans le coffre. Alors, pas parfait. On est parti. Ah non, ça doit être la fronde. Ouais. Alors, attends. Toujours pas descendre. Ok, il faut que je lance une boule de feu, j'imagine. Parce qu'il n'y a pas de... Ah, pas de paille. Bon bah super. Ah, c'est une boule. Allez go. Comment tu te sens? Je les entends toujours dans ma tête. Ça siffle. Tu les as contrôlés? Comme avant? C'est différent. Cette fois, j'étais dans leur tête. Attention! Ils ne doivent pas prendre le dessus. La macula veut te submerger, se nourrir de tes émotions. Tu dois faire très attention. D'accord. Ouais, mais moi je vais carrément plus avoir de peau, alors Vous pouvez pas aller attaquer ailleurs. Oh purée. Ah ouais, j'ai pas le choix. Ah, j'ai vraiment plus de peau. Hein. Quoique, attends. Bougez. Au revoir. Bougez. Si je la mets là. Je sais pas du tout où je vais. Hein. Moi, je suis le groove là. Ah, je peux pas pouvoir revenir en arrière de toute façon. Ok. Je peux rien récupérer. Qu'est-ce qu'il y a là? Je commence à avoir froid. Dépêchons-nous. Oui, ça va te réchauffer. Alors, il y a un établi là. On va pas l'utiliser. On va juste voir ce qu'il y a en haut. Est sale. On pourrait le changer. On pourrait utiliser ceux-là. Ils sont propres. D'accord. Ça
ça va te faire du bien. J'espère. Lequel tu veux? Je ne sais pas. Celui-là. Ne bouge pas. Pardon. C'est fini. Oh, ça lui va bien. Merci. C'est mieux, j'espère. Ah, bah voilà, on a obtenu un autre souvenir. Quelle couleur veux-tu? Du coup, on a fait tout ce qu'on devait... Ah, on peut même plus remonter. Du coup, on a fait tous les collectifs de ce chapitre. On a une plume. On a obtenu les deux souvenirs. On a eu le coffre. Donc, on est plutôt doué. Alors, du coup, bah, j'imagine que ça va être par là. Cet endroit. Comment on va? On va y arriver. Oh non. Pas encore. Ils ont dévoré tous ces gens. Laisse donc les morts en paix. Le capitaine nous fera pire si on tue pas la fille. Les soldats. Les rats. Attention. Je te protégerai. Bon, j'imagine qu'il faut aller de l'autre côté. Ah, de la pyrite, trop bien. Ah, je peux pas prendre. Ah, un pot, ça par contre, j'en ai besoin. Amicia, les rats m'appellent. Ils aiment bien quand je les utilise. Je vais pas attaquer tout le monde, hein. Sinon, on va être mal barré, hein. Alors, on va descendre. Voilà. Ensuite, hein? J'ai cru entendre un bruit. Une seconde. Ouais, il va me repérer. Venez ici, on a de la compagnie. Ah, purée. Moi je cours, hein. Je veux dire franchement, j'arrive à un point. J'arrive pas à croire qu'on l'a fait. Bon. Et comment je fais, moi? Te voilà enfin! Priez pour ton insolence! Apprête-toi à connaître la morsure de la bête! Quoi? Non! T'es coincé! Je vais m'occuper de toi, personnellement! Amicia, peu importe! Je vais régler ça! Amicia, regarde son dos! Oui. Ah.
Ça va? We did it! Ça va. Ça va. On continue. Bon, j'espère que c'est la fin du chapitre 6, parce que c'est trop d'émotions, là. Amicia! Amicia! Non! Tu saignes beaucoup. Là, c'est eux! Ils arrivent! Je peux pas. Tu vas devoir t'en occuper. Tu es sûre? Vas-y, vite! Garde, le contrôle, Hugo. J'ai fini pour moi. Je l'ai déjà fait. On y sort, Sera. Il rouge, il les protège. Vous êtes tous pareils. Vous êtes des monstres. Calme-toi. Reste concentré, Hugo. Tu vas perdre le contrôle. Ah bah dis donc. Apparemment. Quoi? C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Je vais nous sortir de là. J'ai recommencé. Je suis désolée. Vraiment désolée. Je vais y arriver. Ouais, ouais. Mais cours! Cours! Montez! Là, ça pue. Là, ça pue grave. Waouh, waouh, waouh. Ok. Bon, presque sur le point de décéder. Avec Amicia qui est blessée, là. Mais bon, on s'en est sorti. La bête était pas si facile que ça à battre. Mais bon, on y est arrivé. C'était comme dans le premier épisode où il fallait achever, je crois que c'était un subalterne de l'évêque, où ça avait été très compliqué aussi. Donc voilà, je trouve que l'arbalète, elle n'est pas si facile que ça à manier, mais je pense que quand on l'aura bien crafté à fond, ce sera un petit peu plus aisé, on sera un petit peu plus rapide. Bon, moi, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce vers le haut sur la vidéo si elle vous a plu, ou à me rejoindre sur Twitch. Je suis aussi sur Twitter, si jamais. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao !